And I pray. Keep and I pray, brother. Continue and declare. Continue and declare. Continue and declare. Continue and declare. Par le nom de Jésus Christ. Dans 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 le nom de Jésus Christ. Il est le puissant guérir. Il est le véritable roi. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le maître des maîtres. Il est le lion de tribu de Gilles. L'homme de Galilée. Le puissant guérir. Il n'y a point de Dieu. De Dieu comme toi. Il n'y a point de Seigneur. De Seigneur comme toi. Ô l'homme de Galilée. L'éternel grand Dieu. Qui est comme toi. Toi qui es le comparable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le puissant guérir, le véritable roi, le puissant guérir, l'éternel puissant, puissant dans les combats, toi qui es assis sur un trône de l'œuvre, toi qui mérites l'honneur, la gloire, la louange, oh l'adoration, la magnificence, l'éternel grand Dieu, nous te prions, nous invoquons ton nom Seigneur, tu es le comparable, tu es l'imbattable, tu es le contournable. Il n'y a point de Seigneur comme toi le puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 L'éternel grand Dieu, l'homme de Galilée, le puissant guerrier. Il n'y a point de Dieu comme toi le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Ô Zambé mon aîné. Zambé mon aîné, par le nom de Jésus, 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 tu es le comparable, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es l'imbattable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la puissance, reçois l'adoration, reçois la magnificence, il n'y a point de Dieu, l'éternel des armées, Zambé Naboulé. Zambé Nabikam, tu es le puissant guéri, qui est comme toi le roi, le Seigneur des Seigneurs, l'homme de Galilée, le Seigneur grand Dieu, le puissant guéri, l'éternel grand Dieu, Zambé Monen, Zambé Nabikam, Dieu des révélations, qui est comme toi Seigneur, qui est comme toi le maître, qui est comme toi le Seigneur, nous sommes venus devant toi. Pour t'adorer, adorer, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. You gonna praise the Lord, you gonna praise the Lord, you gonna praise the Lord. In the mighty name of Jesus, somebody you gonna pray. Today is a time of prayer. For this moment is a time of prayer. You gonna pray, you gonna pray, you gonna pray, bro. Keep and pray in the name of Jesus. Keep and pray. Keep and pray. Continuez à déclarer. Continuez à déclarer. Déclarer dans ta vie. Continuez à déclarer. Déclarer dans ta vie. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le puissant guerrier. Il est le véritable roi. L'éternel grand Dieu. Qui est comme toi, le roi. Qui est comme toi, le maître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie. Ozobonda, continue, élevez ta voix. Élevez ta voix. Élevez ta voix. Lift up your voice. And are you gonna pray? Lift up your voice. And are you gonna pray? Lift up your voice. You gonna pray tonight. You gonna declare tonight. It's a night of prayer. 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 Oh, mama, papa, c'est le moment de prière. C'est le moment de prière. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ. Somebody, you just gonna pray tonight. Oh, qu'on déclare. C'est le moment de prière. Élevez ta voix. Et continuez à déclarer. Élevez ta voix. Et continuez à déclarer cette nuit. C'est une nuit de déclaration. Une nuit de déclaration. Là où nous prions, nous adorons le roi des rois.
Nous adorons le Seigneur des Seigneurs. Nous adorons le roi des rois. Father, we praise the Lord of Lords. Oh, we pray today. We praise you, Lord. We praise your holy name. We praise your holy name. We praise your holy name. We sanctify your holy name. We praise your holy name. Somebody, you're gonna pray. It's a time of prayer. Keep on praying. Continue à prier. Continue à déclarer. Continue à déclarer. Par le nom de Jésus Christ. Continue à déclarer. You're gonna pray right now, brother. This is the moment of prayer. This is the moment. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Somebody, you just gonna pray. Oh, Kobonda. C'est le moment de prayer. C'est le moment de déclaration. C'est le moment de levation. C'est le moment de bénédiction. Élevez ta voix. Bonda. In the name of Jesus. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. In the mighty name of Jesus. Lift up your voice and you gonna pray. You gonna pray tonight. You gonna pray tonight. Oh, Kobonda. Par le nom de Jésus Christ de Nazareth. Vous allez prier. Pray, pray. Au nom de Jésus. You're gonna pray. Keep on praying. Keep on praying. Keep on praying. Keep on praying. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Oh, somebody, you just gonna pray. Keep on praying. Keep on praying. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Déclarer, déclarer, déclarer. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Continuez à déclarer. Ça, c'est le temps de prier. 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 Adorez, adorez, adorez. You gonna pray. You gonna pray. Keep and praise the King of Kings, the Lord of Lords. Keep and praise the King of Kings, the Lord of Lords. Somebody pray. You gonna pray. Au Kobondela, déclarer. Au Kodéclarer, déclarer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Oh, déclarez-moi. Déclare. 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 Au nom de Jésus-Christ. Ose déclare. Ose déclare. Continuez à déclarer. Continuez à déclarer. Keep and praise the Lord. Keep and praise the Lord. Somebody pray. Somebody pray. Adorez, adorez. Adorez le maître de maître. Adorez le Seigneur des saints. Adorez le puissant guéri. Adorez son Saint-Nom. Adorez sa grandeur. Adorez sa puissance. Adorez son Saint-Nom. Il est le puissant guéri. Il est le véritable roi. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. L'homme de Galilée qui est comme toi. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous élevons ton nom. Toi qui es le comparable, l'imbattable, l'incontournable, par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. En le nom de Jésus-Christ, en le nom de Jésus-Christ, continuez à déclarer, continuez à prier.
Maman, priez, papa. Continuez à déclarer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le véritable roi. Le puissant guerrier. Keep on a prayer. Brother, sister, you gotta pray. You gotta pray tonight. You gotta pray tonight. You gotta declare right now. This is the moment of prayer. Oh, co-déclarer. Par le nom de Jésus-Christ, il est le puissant guerrier. Oh, adoré, praise the Lord. Praise the King of Kings. Praise the Lord of Lords. Praise the King of Kings. Praise the Lord of Lords. Somebody, you're gonna praise him. You're gonna pray. You're gonna praise the King of Kings. Oso bondela, oso ko adoré. Jésus-Christ de Nazareth. Continue, keep on a praise. Keep on a prayer. Praise the Lord of Lords, the King of Kings, the Almighty God. Keep and praise Him right now. He's the Lord of Lords. He's the King of Kings. Somebody pray. Somebody pray. Somebody pray. Oh, Zambé Monen. Zambé na puissance. Zambé na bikam. Zambé na longa. Zambé na adorage. Au nom de Jésus-Christ, sans lui, nous ne pouvons rien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le puissant guerrier. Il est le puissant guerrier. Il est le véritable roi. Il est le Seigneur des Seigneurs. L'éternel grand Dieu. Zambé Monel. God of Fire. Somebody you gonna pray. Ou qu'on déclare. C'est le moment de prière. C'est le moment de prière. C'est le moment de prière. Continuez à adorer le roi. Continuez à adorer le maître. Continuez à adorer le Seigneur. Continuez à adorer le Maître. Continuez à adorer le roi. Continuez à adorer le Maître. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, toi qui es assis sur un trône de levée. Jésus-Christ de Nazareth. Father, the King of Kings, the Lord of Lords. You're gonna pray the King of Kings, the Lord of Lords. You're gonna praise him today, brother, sister. You're gonna lift up your voice and pray. Oh, kobon de loko déclare. Oh, kobon de loko déclare. Oh, kobon de loko déclare. Par le nom de Jésus-Christ. 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 Continuez à prier, maman. Continuez à prier, papa. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'éternel des âmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'éternel grand Dieu le roi. Le puissant guerrier le maître. L'éternel grand Dieu le roi. Le puissant guerrier le maître. Il n'y a point de Dieu. De Dieu comme lui le roi. Il n'y a point de Seigneur. De Seigneur comme lui le roi. Il n'y a point de Seigneur, des Seigneurs comme lui le main. Il n'y a point de Seigneur le roi. Les Seigneurs comme lui le roi. Il est le vainqueur de Golgoth. Continuez à déclarer. Continuez à déclarer. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Let us pray, brother, sister. Let us call the Holy Spirit. Tobelela nguya moli mon ensemble. Let us call the Holy Spirit. And we're gonna say, Lord, cover us with your spirit. Cover us with your spirit. And Lord, we need your presence. You are the mighty God. Let your blood clean us and the Holy Spirit will take place in our life. So when the blood will clean you, the Spirit of the Lord will be effective in your life. Say, Lord, let your blood clean me, and you clean me, you clean me. For the Holy Spirit to have a place. Because when there is a sin, something in our life, the Holy Spirit can't stay. So before you to be filled with the power of the Holy Spirit, let the blood of Jesus Christ cover you. Tolo bananzambe, papa, tika makila na yo. Makila ne longa, e kouvri biso anfenke. Moli monanzambe, zwa place na kati na bomo inabiso. Moli monanguya, paske tozana posa makila na yo kouvri biso. Lobana nzambe makila na yo kouvri esprit nanga, pensée nanga, bomo inanga, molimo nanga, makila na yo sokola.
Let us pray the blood of Jesus. We pray. Hallelujah. Pray. Pray, brother, sister, keep on a prayer. Say, Lord, I need your blood. I need your blood. The blood of the Lamb, the blood of Jesus Christ. Let the blood cover you, and the Holy Spirit will have a place. Because if you are not filled with the Holy Spirit, it's going to be very difficult for us to see the hand of the Lord. You're going to pray. Keep on a prayer. Don't give up. Stand up, and don't give up. You don't want to give up. You need to pray. You need to pray. Say, Lord, cover me right now, Father. I need you, Lord. Cover me today. Cover me with your Spirit. Cover me with your Holy Ghost. Cover me to the Lord. I want to be covered by your Spirit. I want to be covered by your Spirit. In the name of Jesus, I don't want to be covered, Lord. Lay your blood. Cover me. Lay your blood. Clean me for the Spirit to have a place. Oh, brother, sister, let us pray. Bondage. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, prie. Makirana Yesu est couvré. Makirana Yesu est couvré. Makirana Yesu est couvré. Makirana est longue et couvré. Let the blood of Jesus Christ. Plain, the blood. The blood in your way. For the Spirit to have a place. Let the blood cover you. Let the blood cover you today. Oh, say, Lord, cover me, empower me, empower me with your blood. Oh Lord, cover me with your blood. Oh, clean me, sanctify me to the Lord. I want to be sanctified. I want to be clean, oh Lord. You are the King of Kings, the Lord of Lords, the King of Kings. Somebody, you're going to pray right and I say, Lord. You're going to pray right and I say, Lord. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Par le nom de Jésus Christ. Oh, you're going to pray abundantly. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. The blood. Father, I need your blood, oh Lord. In the mighty name of Jesus. Father, I need your blood, oh Lord. In the mighty name of Jesus. Lord, I need your blood and might. Father, I pray your blood today. In the mighty name of Jesus. Lord, I need your blood and might. Father, your blood today. Lord, your blood today. Father, your blood tonight. Father, your blood tonight. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. You're going to pray. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus. Father, that's what we need, oh Lord. We need your Spirit. We need your blood. The blood of the Lamb. The blood of Jesus. The blood of the Lamb. The blood of Jesus. The blood of the Lamb. The blood of Jesus. You gotta pray. Somebody pray. Plead the blood of the Lamb, the blood of the Lamb. Plead the blood of the Lamb in your life. Plead the blood of Jesus. 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 In the name of Jesus. Plead the blood of the Lamb. Oh, somebody, you're gonna pray. Somebody, you're gonna pray. You're going to declare the blood of Jesus. Say, Lord, I need your blood. You cover me with your blood. Father, in the name of Jesus Christ. Father, I need your blood. Cover me to the Lord. I need the blood of victory. Clean me. Sanctify my house. Lord, my heart. In the name of Jesus. I declare the blood of the Lamb. I declare the blood of Jesus. Je déclare le sang de l'Agneau. Je déclare le sang de l'Agneau. Je déclare le sang de l'Agneau. Oh, le sang de l'Agneau. Oh, le sang de l'Agneau. Oh, le sang de l'Agneau. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire.
In the name of Jesus Christ. Your blood. Your blood, oh Lord. Father, I need your blood. Lord, we plead your blood. Father, we plead your blood. Lord, we plead your blood. Father, we need your blood to clean us. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Somebody pray. You're gonna pray. You're gonna pray. You're gonna pray. You're gonna declare. Oh, co-declare. In the name of Jesus. You're gonna declare. In the name of Jesus. You're gonna declare tonight. In the name of Jesus. We're gonna declare right now. That's what we need today. Oh, nous voulons le sang. Le sang de l'agneau. Le sang de la victoire. Le sang de Jésus. Somebody pray. Brother, sister, pray. Say, Lord, cover me with your blood. Cover my ways, my life, my family. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus Christ. Par le nom de Jésus Christ. Par le nom de Jésus Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus Christ de Nazareth. Oh, I declare right in the Lord. Father, I declare tonight. In the name of Jesus, we declare right. We declare right. Father, we declare. Seigneur, nous déclarons. Papa, nous déclarons. Par le nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons. Par le nom de Jésus. Il est le puissant. Seigneur, nous déclarons. Seigneur, nous déclarons. Par le nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons. Par le nom de Jésus. Tu es le puissant guéri. Le puissant guéri. Le puissant guéri. Le puissant guéri. Par le nom de Jésus. Le puissant guéri. Le puissant guéri. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, somebody, you're gonna pray. That's all you need tonight. You need to pray. In the name of Jesus. Amen. Amen, 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 amen. Brother, sister, let us cover now with the power of the Holy Ghost, the fire of the Holy Spirit. We're going to say, Lord, cover me today. I want to become. Lord, I call upon your Holy Ghost, your Holy Spirit, the fire of the Holy Spirit in my way, the fire of the Holy Spirit in my family, the fire of the Holy Spirit in the church. Let us pray to Belela, la puissance du Saint-Esprit, de nous remplir. Oh, mon limo, puissance à mon limo ensemble. The power of the Holy Ghost. The fire of the Holy Spirit. Let us pray. We pray. Hallelujah. Pray, 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 pray. Keep it a prayer, brother, sister. Don't give up. Oh, declare. Declare, brother, sister, declare. Tonight you need to declare. You're gonna declare. You're gonna declare. You're gonna declare tonight. You're gonna declare tonight. You're gonna declare tonight. Oh, so declare. Oh, brother, sister, call up. Declare right now. Declare right now. Say, Lord, I need your spirit. Cover me with your spirit. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Cover me, Lord. Holy Ghost. Holy Spirit. Cover me today. Holy Spirit. You're gonna cover me. I wanna be covered by the Spirit of the Lord. Lord, cover me today. Holy Ghost, Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. Holy Spirit, cover me today. In the mighty name of Jesus, you're gonna cover me. Lord, by your Holy Ghost,
by your Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. By your Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. By your Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. By your Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. Lord, cover me today. Oh Seigneur, couvre-moi par la puissance du Saint-Esprit. Couvre-moi, oh Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Couvre-moi, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Couvre-moi cette nuit par la puissance du Saint-Esprit. Couvre-moi cette nuit par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Cover me today, Lord. Cover me today. Cover me, oh Lord. Fill me up with your Holy Ghost. Fill me up. Fill me up, oh Lord. Fill me up, oh Lord. Fill me up, oh Lord. By your Holy Ghost. Fill me up, oh Lord. By your Holy Spirit. Fill me up, oh Lord. By your Holy Spirit. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Fill me up, oh Lord. By your Holy Spirit. Fill me up, oh Lord. By the fire of the Holy Ghost. Fill me up, oh Lord. By the fire of the Holy Ghost. Fill me up, oh Jesus. The fire of the Holy Ghost. Cover me with the fire of the Holy Ghost. With the fire of the Holy Ghost. Somebody pray. Somebody pray. Oh, somebody pray. You're gonna declare right now. You're gonna pray right now, brother. This is the moment that you pray. Say, Lord, fill me up. Fill me up, Lord. Fill me up, oh Lord. Fill me up today. Fill me up. Au nom de Jésus-Christ. Pray. Oh, somebody pray. You're gonna pray. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus Christ. Say, Lord, cover me right now, Father. Cover me today, Lord. I want to be covered by your Spirit. 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 The Spirit of the Lord. The Spirit of Jesus. Cover me, Lord. Remplis-moi. Je vais être revêtu de puissance. De puissance de Dieu. De puissance de Dieu. De puissance de Dieu. Par le nom de Jésus-Christ. De puissance de Dieu. Oh, brother, sister. Say, Lord, I need it. Father, I need it. Cover me today. In the name of Jesus Christ. Cover me today. In the name of Jesus. Cover me today. In the name of Jesus. Cover me today. In the name of Jesus. Cover me today, Lord. In the name of Jesus. I need your Holy Ghost. I need your Holy Ghost. I need your Holy Spirit. Fire of the Holy Ghost. Moto ya molimo. Fire ya molimo. Moto ya molimo. Fire ya molimo. Moto ya molimo. Par le nom de Jésus Christ. Déclaré. 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 Oh, brother, sister. You just gonna declare. Fire of the Holy Ghost. I declare, call upon the fire. Of the Holy Ghost. Of the Holy Spirit. Declare. Oh, you're gonna declare. You're gonna declare. Brothers, sisters, this is the moment of declaration. This is the moment of declaration. In the mighty name of Jesus.
In the mighty name of Jesus Christ, you're gonna declare tonight. It's a night of declaration. Somebody pray. Fire of the Holy Spirit. Fire of the Holy Ghost. 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 Somebody, you're gonna declare. Also declare. Fire of the Holy Ghost. Monte ensemble. Au nom de Jésus Christ. The name of Jesus Christ. Somebody, you're gonna call the fire of the Holy Ghost in your way. Fire of the Holy Ghost in your family. Say, Lord, cover me today with your fire. Fill me up, O Lord, Jesus. Fill me up today, Lord. Holy Ghost, monte le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Fire of the Holy Ghost. Moto. Fire of the Holy Ghost. Belela moto ya moli mon ensemble. Moto ya moli mon ensemble. Feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Oh, l'esprit de sagesse. L'esprit de révélation. L'esprit des miracles, le Saint-Esprit, par le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit. Déclarez, mes frères et sœurs. Oh, mes frères et sœurs, déclarez. Osez déclarer. C'est le feu, la puissance du Saint-Esprit. The power of the Holy Ghost. Somebody, you're gonna declare right and abundant. Brother, sister. Déclare. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, pray. Oh, Kobondela. You're gonna declare right and abundant. Ozo déclare. Dans ta maison, dans ta vie, maman. Or in your house, in your family. You're gonna declare the fire, everyone. The fire everywhere, brother. You're gonna declare fire everywhere. Fire of the Holy Ghost. You're gonna declare the fire.
Vous priez, maman. Priez. Vous vous déclarez. Déclaré. La puissance du feu du Saint-Esprit, the fire power of the Holy Ghost. Fire power from the Holy Ghost. Fire power of the Holy Ghost. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Moto fire. Bele la fire. Declare the fire of the Holy Ghost. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Also wonder. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. May God bless you so much for tonight. Brother, sister, God bless you so much for your time of prayer. May the Lord give you the desire of your heart. May the Lord fight for you and fight for your family. May the Lord give you whatever you request, days and night. So never allow your fire to go down. Never allow this fire to go down. Increase the fire where you are, because it's very important. You need to understand the enemy, he don't like the fire. So even in your house, in your family, everywhere you are, if you can increase the fire, the enemy will compromise. He will lose ability. Partout là où vous êtes, si vous pouvez augmenter la puissance du feu dans vos maisons, l'ennemi va tomber. Il va perdre.
Oh, l'ennemi sera dans deux bandades. C'est pourquoi vous devez vous mettre debout et déclarer le feu dans votre maison. Alléluia. Oh, brother, sister, you need to stand up and every day you declare the fire in your house, the fire in your environment. You say, Lord, when I'm walking on the street, let me be the pillar of fire. That every wrong people or any power, that, you know, there is some people, when they touch you, you lose. You start to dream them. But you need to have the power of the Holy Ghost. Whatever they will be doing, thinking that they can control your mind, but they lose. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Brother, sister, God bless you for tonight. We're going to read the word. It's very, very important, because I want you to understand these things which is happening in our life, in the family, in everywhere. So it's a very, very important for you to know it, because the enemy don't want you to know these things. Because you know, as soon as you know that, you lose control, you lose the power, you lose ability in your life. And he have no control. He can't control you anymore, because you are not a slave of anyone. Hallelujah. Praise the Lord. Vous devez savoir que l'ennemi n'aime pas que vous puissiez écouter de telles choses. Parce que si vous êtes au courant de ça, lui va perdre. Et c'est comme ça qu'il va perdre. Parce que l'ennemi n'aime pas qu'on puisse dévoiler ses œuvres. La Bible nous dit, ne vous affectionnez pas aux œuvres des ténèbres, mais condamnez-les. The Bible says, don't associate yourself with the work of darkness, but you need to condemn it. To refuse it, to reject it. And then the Lord will receive you. Hallelujah. So never associate yourself to this, the work of darkness. Instead, they need to be scattered in the name of Jesus Christ. So let us read the book of Job chapter 26 verse 10 to 15. Job 26, 10 to 13. Mukanda Job, chapitre 26, verset 10 à 13. J'attends beaucoup de bruit sur, je ne sais pas, dans la montagne télévision ou radio. I don't know, someone put a radio or TV. How are you going to pray with a radio? Hallelujah. How are you going to pray when you put a radio and a praying? So your prayer is not going to be effective, because you're listening another thing, here listening another prayer. So it's going to bring a lot of distraction. And you can't focus in your prayer. It's going to lose the power. You know the enemy has got different techniques. The only thing that he wants you to lose the connection. As soon as you lose the connection on your phone, you can't hear me or I can't hear you, because the connection is cut it off. It's the same way in the realm of the spirit. What the enemy wants, he wants you just to lose that moment, and it's a very, very important for you. As soon as you lose it, you lose something that's very important. Praise the Lord. So, nous allons lire la parole Job chapitre 26, verset 10 à 13. C'est très important, nous allons lire ça, parce que vous allez comprendre que cet esprit travaille d'une manière secrète. C'est l'esprit de la sorcellerie. Lorsque vous voyez le serpent, c'est un esprit de la sorcellerie à haut niveau. Et ça, mon limon, moko ya, y a un niveau à l'écolo. Vous allez voir, c'est un esprit qui domine à Valaka. Il vient avaler même de semences. Il vient détruire. Brother, sister, when you are facing the spirit of snake, it's a high level of a witchcraft.
He come just to manipulate you, to swallow your life. That's what the enemy do. He swallow people life, destroying. La Bible nous dit, Job chapitre 26 verset 10, il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme une limite dans la, entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'embrasent et se tournent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer, par son intelligence, il la brise, il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fouillard. Alléluia. Oh, quand vous lisez dans le livre de Genèse, chapitre 1, 3, versets 1 à 6, vous allez voir que le serpent était un animal rusé. Le serpent est venu chez la femme. Il a manipulé. Et il a trompé Ève pour manger les fruits. Et la Bible nous dit, à cause des serpents, il y a de douleur, le malheur est entré dans nos familles. C'est-à-dire, le serpent mène de malheur dans la vie des gens. Lorsqu'il vient avec ce venin, il va vous injecter ce venin. Et ce venin va causer la maladie. L'esprit des serpents dans nos familles amène la maladie incurable. Et même la maladie incurable amène l'esprit de sommeil et l'esprit de faiblesse. L'esprit des serpents travaille avec l'esprit des eaux. C'est pourquoi vous allez voir ici, la Bible nous dit, Dieu il a tracé un cercle à la surface des eaux pour séparer la lumière et le ténèbre. Parce que le ténèbre, le serpent travaille dans le ténèbre, dans le secret. Vous savez, le serpent, il travaille très calme. Il est solide, il travaille à travailler à Kayemoko. Jamais vous allez voir 3-4 serpents marcher ensemble. Jamais. Parce que c'est un esprit de confusion. Lorsque vous avez des confusions, lorsqu'on vient causer des confusions dans vos familles, il vous envoie l'esprit des serpents. C'est un esprit qui vient avaler vos idées. Ce qui serpent continue en famille, aïbaramé, maïel et abat. Vous allez voir les gens qui ont étudié mais n'arrivent pas à trouver un bon travail. Ils viennent, ils vont avaler des diplômes, tous vos certificats. Lorsque vous voyez une femme qui n'arrive pas à concevoir, l'esprit de serpent vient avaler la semence, il détruit. Dans le secret, il n'aime pas qu'on puisse le découvrir. Il travaille dans le secret. Et c'est un esprit d'orgueil. Lorsque vous avez quelqu'un qui a l'esprit de serpent, c'est un orgueilleux. Il n'aime, il ne respecte pas les gens. C'est quelqu'un qui est trop hautain. Moli moako dédaigné bat le serpent. Il te regarde, c'est comme s'il ne te voit pas. Si tu t'approches, il va te piquer, te mordre. Et tu ne vas pas mourir le même jour. C'est un esprit de souffrance. Vous allez voir dans des familles les gens qui souffrent dans des maladies pendant 3 ans, 4 ans. Et ils sont fatigués, ils commencent à demander la mort. Alléluia. Et vous allez voir c'est un esprit. Lorsque vous avez quelqu'un qui a un esprit de suicide, si vous commencez la délivrance et la prière, vous allez voir l'esprit de serpent va parler sur cette personne. Alléluia. Et vous devez vous mettre debout. C'est un esprit avalera même à papier à immigration. Ils vont avaler de papier. Vous attendez, vous attendez, vous attendez, vous ne voyez rien. Ils ont déjà avalé. Il peut avaler même votre CV. Vous cherchez le travail, vous n'en trouvez point. Il vient avaler. Vous devez vous mettre debout et détruire l'esprit des serpents. Alléluia. Brother, sister, let me read this because it's very important. There is two verses we're going to read. It's so powerful. The Bible says in the book of Job 26, verse 10 to 15. This is unbelievable. So let us read and we're going to pray. The Bible says this. He marks out horizon on the face of the water for boundary between light and darkness. The pillar of heaven quake, a gas. It is a rebuke. By his power, he churned up the sea. By his wisdom, he cut off Rahab
to peace. By his breath, the sky become fair. His hand pierce the gliding serpent. So, brother, sister, we have a problem with the spirit of serpent. It's a spirit of infiltration. When the serpent enter your house, you never gonna know that it's there. It will hide somewhere. It will start to bite people inside. So when it enter where there is a chicken, it will destroy all the chicken. So it's a spirit that it wastes your time. It could be a man or woman wasting your time. When you have a connection with a person who is the spirit of serpent, snake, is a high level of a witchcraft. They use it, they work with the marine kingdom to destroy. When you read in a Greek, in a Hebrew Bible, they call serpent or snake Nakash. Nakash means wrestling. Someone wrestling a witchcraft on you. It blow the witchcraft in your face. You become so ugly. People, they can't see you. Man, they can't even look at you. Woman, they can't even talk to you because they see you like a demon. They see you like a crazy. Because this spirit, it makes people to have a heart, their heart very bad. No mercy, nothing. Even when you cry, they don't care about you. The snake is squeeze animal. Even animal cry, he don't care about this. He destroy, break the bones of the animal. So it's a spirit that is very wicked that you never seen. It causes division among people. It reaches the lies around. It brings a lot of sickness, failure, misunderstanding. So it causes spiritual slumber. When the snake bites you, you're not gonna die the same day. You will die step by step. That's why you notice a lot of people, as soon as you are close with them, you start to lose the pleasure, the life of prayer. You start to lose, you don't feel anymore that I can pray, I can do something, because they have the spirit of snake. Brother, sister, snake don't like a fire. So where there is a fire, the snake can stay. That's why you will notice some people, you used to be good with them, suddenly they just separate with you without any reason, just going. They don't talk to you, they feel like you are crazy. So probably if they are not from the enemy side, maybe the enemy bewitch them for you to lose the right people around you. If they are not strong enough, because a lot of people mistaken, they think because I'm in a big church or whatever, what I am, I'm protected. No, you need to have the life of prayer. No matter where you are, no matter Bible big one you have, or you've been in a church for many years. No, you need to have the life of prayer. You need the fire on you, because if you're alive, you know, it's like one of the guys said to me, oh, I come in a very big church. We have a 2,000 member. I say, I don't care about the number, but I care about you. Tell me who you hang with them, I will tell you who you are. Hallelujah. He said, listen, I was born in a Christian family. I said, it's no guarantee because you are born in a Christian family that you're going to be powerful. No. But you need to understand that there is a war that you have to fight. Hallelujah. Praise the Lord. So, snake is an evil spirit. They call it Nakash. Nakash means reason. The reason is spell, a magic. The reason, what they call divination. So, when you go to witch doctor, you use the spirit of snake. Because snake will come. You know all these false prophets, they use the spirit of snake called Nakash. A reason on the ear, they can know your life. They work with the familiar spirit. They can know, follow your bloodline. They can know where you come from. Because when they look at you, there will be in a connection with all witches from your family. They will tell them your information. From there, they can tell you whatever you want, and you're gonna be happy. If you've been in contact with a false prophet, you need to repent before God, because as soon as you are in contact with them, they will mark you. They leave some mark on your face. Everywhere you go,
You will find the people that will start to hate you because they mark you. The snake, when it bites you, you will know the venom will be on your body. The venom will start to work in your blood to cause you to die. This is the snake. You need to stand up. The snake is no ordinary snake. It's a Satan himself. The snake is just a Satan of many names. So they call him in a revelation, he become a dragon. A dragon, he becomes so big because he take control of people, stealing people gift. When the snake come, remember there was a day. Hallelujah. Praise the Lord. I can hear a noise. I don't know where it come from. Maybe someone is making noise there. I don't know. There was a day, brother sister, I had a vision. This man, he was a tall man, but I saw him short. But you know how God, you know, God is amazing. God, he knows how he play with the enemy. The enemy don't know. He even don't know who is God. Because God created him, but he make himself God. He think he can beat God. This man, he was a tall, but he used to wear some black coat, very black. So I saw him like a small, he become like a short, small man. And then, brother, sister, I was coming to pray for him, but as soon as I come close to lay my hand, I saw a head of snake on his head. The Holy Spirit said, don't lay your hand up on him, he's gonna bite you. Just turn in his back. Don't go in the front, go in the back. So that was in a vision, brother, sister. So in the daytime, it was a Sunday, we meet in a church. And this man come to me, say, pray for me. Brother, sister, when I look at him, I didn't pray, but I blow the wind in his face because I know he's a snake. And snake, you don't like the fire. So I convert my breath to a fire in a faith by the Holy Ghost. Hallelujah. So, brother, sister, you can switch anytime because you carry the Spirit of the Lord. Your spirit, it can demolish demonic stronghold. Your spirit will divide the power of the enemy. Your spirit will break, shaking the kingdom of darkness because you have the power. No matter sickness or failure in any bad dream, this man, brother, sister, I brought the wind in his face. Hallelujah. So that's why I like the Lord. The Lord, they can teach you the battle. Hi, brother, sister. I say, Lord, teach me as much as you can, Lord, because I want to know these things. The Lord said, blow the wind in his face. That was on a Sunday after the church. This man came to me. He said, pray for me. But brother, sister, I saw him in a vision, and I say to him, after I blow the wind, I said, be careful. I know who you are. Since that day, the man left, he gone. Every time I saw him in a bus stop, he just look at me, don't talk. And I know that he know that I know him. He's a snake. So, brother, sister, I'm telling you the truth. This is what is happening in our church. It's happened there. This man is a very wicked man. I remember the first day when he came, he said to me, oh, pastor, you are annoying. He said, let me tell you, you know, I've been in a different church, but I noticed you know, you have anointing. I said, really? I don't see it. I said, yes, you have it. So that was to attract my mind, brother, sister, because they use what they call witchcraft manipulation. Hallelujah. Spirit of snake. I blow the wind in his face. So he was waiting for me to pray, but I just blow the wind in his face. So, because he's a snake, let me tell you, the Lord is a merciful. Can you imagine how we'll be in a church, lay hand on someone and you go on, you die? Because he was a snake. The Lord in a vision said, turn back on his back. Don't go in his front, go in his back because he can't see you. And I turn in his back. I push him and I say, the name of Jesus, this man fall down on the floor. That was in a vision. And I wake up, it was in a dream. I said, wow, why I dream this man? This man is tall, but in a dream, he became a short to confuse me. No more confusion to the people of the Lord. I declare today, no more confusion in your life. Hallelujah.
Mama, papa, yoka. Molimo a snake, eza molimo. Ya sorcellerie à haut niveau. Eza molimo a manipulation. Faut que tel est melangon à prière. C'était un jour, j'ai eu un songe, je vis un homme. Cet homme était en Wayaka dans l'église. À l'obibo. Oh! Oyebi ke na tambole na ba église mais na moni yo za na onction ngabi ya solo mais nga na zo mona ngote alobi oui yo za na ngo ngabi OK ça va merci papa mes frères et sœurs elle qui quelques jours vous savez on ne peut pas venir à l'église commencer à soupçonner les gens ce n'est pas bien il faut que le Saint-Esprit puisse vous parler si le Saint-Esprit vous parle vous montre là vous êtes au courant et la personne sera aussi au courant que vous l'avez vu et comment moi je peux imaginer des choses si cette personne. Et pendant la nuit, j'ai une vision. Azala qui est lancé, un homme est lancé. Écoutez, mes frères et sœurs. Mais dans, vous savez, Azala qui est dans le système à Koulat, dans le manteau, moko à Mouindou, ya Moulaï. Et la carte, la vision, on a la monnaie moukousse. Azo poussant. On dirait Azo mon athé, mais Azo mon est loco, on a moutouné loco à Nyok. Na ina ya kobon de l'essou, et puis kotia loco, on a moutouné, te tourné dans Simanaï. Mes frères et sœurs, c'était dans cette vision. Na tourné na simana tindikié na liboso kota chair. Tant azo que no koya na bi au nom de Jésus azo baluka na se na situ ki na vision ngabi. Moi je pense que dimanche à l'élo to ozana combat. Et cette nuit là, c'est-à-dire na switch mbala moko. O cause la té maman papa. Et c'est-à-dire o ba bengi disciple à Jésus-Christ. Tu dois être en mesure, c'est-à-dire de changer à tout moment. Lorsque la guerre commence, vous n'avez pas le temps d'attendre un moment. Non. On switch directement. Causer la terre. Parce que l'ennemi, il ne vient pas pour s'amuser. Il vient pour détruire vraiment sérieusement. Il se déguise à l'ange de lumière. Et dans cette vision, je vis que cette personne était un serpent. Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Quand nous sommes venus à l'église, c'est ce qui s'est passé. Cet homme, oh écoutez, il avait fait quelque chose dans l'église. Tout le monde avait vu ce jour-là. C'est incroyable que je ne vais pas parler. Mais je vais vous parler ce qui s'est passé. La même personne est venue auprès de moi. Il a dit, pray for me. Alléluia. Et quand je le regardais, Nathalie n'a mis sous. Mais Azo comprend, il a foulé mon pépé n'a mis sous. Azo mon colo. Azo plus âgé. Maintenant, foulez mon pépé dans mes yeux. Il y a un moto. Fire! Dans le monde, il y a un nom de Jésus. Amen. Et si. Tant que je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Très bien. Ça, l'attention. Alors, passe. Please, pray for me. Pray for me. Je suis là. 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 Depuis ce jour-là, il est parti jusqu'aujourd'hui. Mais tout coup, t'en avais quand mingi mingi pembe na église na arrêt. Na mon a azota la yo, azota la yo car. Osama na regard moko diabolique. Soka talika nga le bina tindelo mukusa machacha zoye. Et si kosa, oko kwanza ti, oko perd de contrôle. Le serpent, vous savez que le serpent. Ce qui est si quand moto est à l'ingarate, banyoka balinga kofanda na ba église où est à moto, église ordinaire, église à ba chrétien bien habillé, bien, il peut danser, il peut faire tout, il parle bien. Et dans na ba place en Néwana, vous allez voir les gens sont motivés avec une motivation incroyable pendant que ce sont des aveugles, ils ne voient rien. Et le serpent va commencer à bouffer petit à petit, il va commencer à injecter leur poison. C'est l'esprit diabolique. Vous devez libérer le fait. Vous savez que si vous êtes dans un endroit où le numéro 1 c'est un serpent, à couper sa batte, sorcellerie inconsciente. Et l'esprit de serpent, c'est un esprit de mari de nous et femme de nous. Vous allez voir qu'ils vont prendre toutes les femmes dans l'église pour les abuser. Ils vont même abuser avec les hommes parce que. Comme il a l'esprit de serpent, à quoi balukapé moi aussi. Alléluia. Donc vous devez, oyebi, écoutez, serpent, babengi ango na Bible à hébreu, babengi na. Alléluia. Serpent, nakash, nakash ende kombona.
nakache ngola ksa siffler chichoter un sort donc a chichoter a ko fulo malembe yo ko yebate ils vont commencer à souffler sur vous, à souffler des maladies, à souffler des problèmes, des difficultés. Il peut mettre la maladie à même yo panaye abonde li pona longo le on matio mususu et yo bando mona aza pendant la puissance à makasi a ye pendant ça la kanzo rien esprit de serpent. C'est pourquoi vous allez remarquer même dans les pharmacies. Dans les pharmacies, vous allez voir bacha signe un serpent. So botuni bango nini balobite bazako se référer na serpent d'arrêt au Moïse à salaka, c'est faux. Alléluia. Oh, bazolo ba ke kish wana ko bomayo parce que bazo utiliser poison venin. Et ça ba venin wana nyoka ba salaka na ngoba kish mususu. Écoutez mes frères et sœurs, il siffle, c'est-à-dire il chuchote des malédictions, ce qu'on appelle divination, diviner. À côté na katino, mingi ba faux prophète, ba prophète au corona a consacré qui période à corona, ba koma ki belé na zoma, ako mona bango, naza contre mate ya te, oui, ba faut ba te ya, et belé. Si vous voulez prêcher, allez prêcher, vous êtes libre. Mais vous allez remarquer que tous ces gens-là, ba kota ba musoa da kota na conférence, au moins na commis message. Eh benga prophète tel ngana zagi na problème a kobota tango na bengi e kaka na changer makambo libala na ngezongi c'est un serpent. De telles personnes ne font même pas envoyer le message parce que quand vous envoyez vous pouvez signer le contrat avec lui sans le savoir à partir du message que vous envoyez. Alléluia. So l'esprit de serpent c'est un esprit qui chuchote l'avenir. Le présage, il annonce, Bapé Sarabaza qui observe ma kambunayo. L'esprit de serpent, il peut rester là-bas en train de t'observer. Regardez le documentaire quand les boas, Baboa toi en a conda, puis toi l'inga kanganyama. A rebomba dans observer, yo, a observer, tant a koya, c'est-à-dire l'animal a koye, bata kanye, bamona kingwa, lingi, na moutou abando fina. A bon mieux. C'est comme ça que ces gens-là travaillent. Ils vont d'abord t'empoisonner à bomio mich. Quand on mich koufi, après, à détruire. Et puis, esprit à serpent, bon marabatou na maï. A tindiki on a maï, tant on zoom la maï, ya zoué à l'okola bimisa, ya betio massasi. C'est comme ça que l'esprit de serpent, a lingara moutou fan noyé, a noyé yo. Soko moni moutou boye, o kouta ya koufa ki lolé mouni banda mich ou akota, c'est l'esprit de serpent, l'esprit de peur. Il amène l'esprit de peur dans nos maisons. Parce que tout le monde, quand il regarde un serpent, il a une peur. Même si un serpent a mouqué, il faut abandonner. Même si il a joué, c'est un esprit de peur. Vous devez le détruire. Ce qui est un esprit à peur, c'est un serpent. C'est un serpent. Enter to a group. Alléluia. Nous devons respecter des gens, des hommes de Dieu. Nous devons respecter Basali Nanzan. Mais quand vous êtes en face à un faux serviteur qui est serpent, à cause de l'autorité dans la vie nabino d'une manière incroyable, vous n'avez pas l'idée. Même quand il parle, vous tremblez, vous allez trembler. Pourquoi? Parce que c'est un serpent. Il faut comprendre, mes frères et sœurs. Vous devez comprendre que le serpent, il fait peur aux gens. So, brother, sister, you need to understand the snake will make you scared, fear, shaking. It's a spirit because every snake, even if small or big, if you are before a snake, you will scare. Even any animal, when the snake stand up there, you see the animal start to behave himself. Because they don't joke. They know that they can bite you. They are fast, quick. So when you have a snake in the church, they have the spirit of gossip. They will gossip like a crazy. That's why I don't like these things in the church. I stand against it. If you are, you love gossip, you have no space in that place. No place for you. Because you causing the spirit of witchcraft inside the church. Bewitchment. Accusation. They like to accuse, they can accuse you without any reason. Snake. Hallelujah. You're gonna break this spirit of snake, the spirit of divination.
They're hiding somewhere. They can hide for a long. You're never gonna know them. You're never gonna know that they are there. When you are among the spirit of snake, brother, sister, you will lose control. If your face or your parents or anyone or your pastor, whoever is a snake, he's got authority on the people. We use them, especially women. He's gonna use them as a spiritual wife or spiritual husband, abusing them, causing trouble in the family, misunderstanding. And they have authority without measure. You will think like, oh, when they are there, you shake, you feel like something. No, you need to respect them, but the power belongs to the Lord. Hallelujah. You respect me as a man of God, but you know, I don't say that you start to misbehave on them, but what you need to understand that I'm not a God. I'm a man like you. I'm a human being like you. So the glory is to God. But these people, you will see people come to bow down before them. Why you have to bow down before me? They love fame, people to scare them, people to bow down before them. That's a snake. You're gonna send a fire on them, brother, sis. They can abuse on you. You don't go there to be abused, no. Brothers, you're gonna stand up like a warrior. You say, Lord, every snake stealing my peace, stealing my joy, destroying my marriage, causing my money to dry, they can steal because they can swallow your finance, anything. They can destroy your beauty, strike you with the spirit of ugliness. So you look like, I don't know, people look at you, laugh, because they will put some spot on your face everywhere for you to look so ugly, and you will go to them. So as soon as they pray, and then they're gonna remove it, but they put another thing on you to gain more glory. Hallelujah. And they have the spirit of proud. They're snake. You need to stand against them. Send a fire on them. Mama, papa, esprit à serpent, et esprit à domination, esprit à concurrence. Et surtout, bato va tchaga batatou, keba parce que va tchaga batou esprit à serpent. Vous devez faire attention. Il vient pour réclamer vos bénédictions. Un serpent réclame vos mariages. Il détruit l'harmonie dans la famille. Il amène l'esprit de divorce, les querelles, l'immoralité, la fibrose, bah même quand maladie à fibron, c'est-à-dire stérilité dans la famille, pronoscuité, c'est-à-dire échec dans l'œuvre de Dieu. Ceux qui ont un contact avec un serpent, au bando échoué dans le ministère, parce qu'il va avaler, à quoi avaler moto, à quoi avaler nions, esprit de serpent. Vous devez détruire, libérer le feu sur les serpents. Un serpent, il n'aime pas que tu sois fort. Un serpent, il n'y a pas de faible. Pour ce qui est bite you, ce qui est fort, le serpent, il n'aime pas le feu. Vous devez comprendre que ce qui est ici, c'est un serpent. Ce n'est pas un serpent qui est un serpent. Ce qui est un serpent, c'est un serpent qui est un serpent. Il y a un serpent qui est un serpent. Il va sortir. Le serpent n'aime pas dans des églises qui n'ont pas de feu et vous allez remplir dans le serpent. C'est-à-dire, le serpent va vous aller en avaler ma balle, tout va troubler. C'est-à-dire, désordre, l'anarchie, ce qu'on appelle Capharnaüm. C'est-à-dire, vous allez voir le trouble, le désordre organisé à cause de l'esprit de serpent. Vous devez libérer le feu contre eux, mes frères et sœurs. Tu ne peux pas rester calme pendant que le serpent est en train de tourmenter ta famille, tourmenter ta vie. Non, tu ne peux pas rester calme. Prendre le peu. La Bible nous dit, la main de Dieu a transpercé le serpent fouillard. Un serpent fouillard, la Bible nous dit ceci, Ésaïe chapitre 27, Yoka. Ésaïe chapitre 27, écoutez ce que Dieu a dit. Oh, il a parlé quelque chose qui est très profond, très puissant. Ésaïe chapitre 27, verset 1. Yoka makamuzambalobi. En ce jour, l'Éternel frappera des sadiques grandes et fortes épées. Léviathan, serpent fouillard. Léviathan, le serpent tortueux. Il tuera le monstre qui est dans la mer. C'est-à-dire, le serpent travaille avec l'esprit des mers. La Bible nous dit, en ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on l'attaque nuit et jour, je la garde. Il n'y a point à moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai tout ensemble.
Écoutez, nzamba ko consumer serpent nyonso a bombara. Serpent nyonso a bombana na ndaku na yo, na église na yo ta. Nzamba lobi je vais les combattre. Je vous dis la vérité, lis Esaïe 27 1 jusqu'à 5. Oh, maman papa, nzamba lobi a ko combattre les serpents fuya. Akima kuna ayako kota na makamwa nzambe. Na makamwa nzambe zapo, c'est-à-dire serpent kota ka so a kote lyo na ndaku na yo, ako ya détruire yo, babenge serpent fuya. Abundisaka Job, abundisaka David, abundisa Esaïe, c'est-à-dire atala kaba grand prophète, abundisaka bango, le serpent fouillard. Vous devez vous mettre debout, mes frères et sœurs. Lorsque vous avez affaire à un serpent ou un homme serpent, c'est un orgueilleux. Lui va se voir qu'il est au-dessus de tout le monde, mais c'est l'esprit d'orgueil, arrogant. C'est-à-dire, ils se cachent, ils ont ce qu'on appelle forme de religion, forme de piété, mais ce sont des arrogants. Quand vous regardez, vous allez voir le serpent, il a tendance, c'est un hypocrite. Et donc, l'hypocrisie à haut niveau, vous devez libérer le feu, souffler le feu, sur, même dans vos maisons. Écoutez, avant d'aller à l'église, libérez le feu, vous dites, Seigneur, aujourd'hui le serpent, il ne va pas opérer, Seigneur. Mais mes frères et sœurs, vous donnez le serpent le temps d'opérer, de détruire la vie des gens. Brother, sister, the Bible says this. The Bible says in the book of Isaiah 27. I'm gonna finish. We're gonna pray because you know I'm getting very angry for this snake. Hallelujah. I'm getting so angry because I remember what snake did in my ways. I'm telling you the truth. This snake. Oh, brother, sister, I'm not going to keep quiet. I'm going to release the fire. You know, I was a victim of a snake manipulation. The Bible says this, Psalm 27, and the Job continued to discourse. The Bible says, surely God lives. It. Hallelujah. Isaiah chapter 27. Open your Bible in the book of Isaiah chapter 27 and hear what the Bible says. This is amazing. The Bible says, in that day, the Lord will punish with his sword, his fierce, great, and the powerful sword, Leviathan, the gliding serpent, Leviathan, the coiling serpent. He will slay the monster of the sea. That's me, this snake walk with marine kingdom. He said, in that day, think about the fruitful vineyard. I, the Lord, watch over it. I water it continually. I guard it days and night. That's me, God protecting you days and night. He said, so that no one may harm it. So no one will be able to lay his witchcraft hand on you because the Lord will protect you. He said, I'm not angry. If only the bride and the throne confronting me, I will march against them in a battle. I will set them all on fire. Brother, sister, the only thing that the serpent understands is the fire. He don't understand your beauty. He don't look at because you talk so good. You can sing. You can. He don't care about this. Only what he came to destroy you. But what you gonna do? Calling the fire of the Lord to burn all of them. This is a snake. Destroy is a manipulation. Let me tell you, when the snake is hiding, is hidden in the darkness, if you set a fire, people will be able to see the snake. Today, people, they can't see the snake because snake is hidden. It's hiding somewhere. There is no fire. So as soon as you increase more fire, brother, sister, the snake will be exposed in the darkness. The snake will be exposed in the public. People will have a dream about the snake. People will see him. People will know who he is. People will understand who is the snake. Only by the fire. The fire will allow him to come out. The fire will expose him. Only the fire. Send the fire on him, brother, sister. You don't want to keep quiet. You don't want to keep quiet. You're going to send the fire on the snake. The snake will swallow your marriage. It's going to destroy. It's going to be broken. Break his ability. Declare in your mouth and say, Lord, I don't want to be a victim. Brother, sister, let me tell you. I feel tonight like, you know, we can stand up and break the power of the snake in the name of Jesus Christ. Mama, papa, serpent fuya. Libérez moto. Sogi moto eze belé. Ne abimangana poisa. Tala. Vous savez, il y avait un jour, le Seigneur me montra, il y a des années passées, il me montra quelqu'un, il a dit ceci, écoutez, il utilise ce qu'on appelle magie sainte. Magie sainte peut
entrer même dans la maison, il peut parler, il peut toucher la Bible. Mais il a la sorcellerie dans la sorcellerie, c'est-à-dire il se cache dans l'intérieur que c'est très difficile de découvrir le serpent si vous n'avez pas le feu. C'est très difficile. Alléluia. C'est très difficile pour comprendre les serpents. Ceux qui montent, ils ont. Vous voyez, bah, été. Ah, aux ananda, on a vu une fandi. Ceux qui peinent l'église, ils ont un bomba. Beaucoup de tics à la couille, bah, été. Ils utilisent ce qu'on appelle, ou bien magie sainte. Ils ont un bateau et un sous-sous bazaka. Exemple, au moment où on a un zombie, mais ils ont une sorcellerie. Bah, été, c'est ce qu'on appelle magie sainte. Sorcellerie dans la sorcellerie. C'est-à-dire, il est là, mais il parle des choses de Dieu. Ce qu'il parle, ce n'est pas ça. Ya zolo ba makamu sundo ko mona tanto olotie azob misa milinga na munoko nae. Hallelujah. C'est-à-dire eza révélation nzamba zola kisho kabitala malgré makamno sa zolo ba mais mutuana za serpent. Oh, oui bi ba sine te. Il faut na peso ba sine pour comprendre. O komona on tanto moni na ndoto moni mutuana zob misa milinga na munoko nae. Mais mutu azolo ba makamu nzamba comment milinga zob na munoko nae. Milinga moindo. Donc, c'est-à-dire, ce qu'il est en train de parler, ce que vous écoutez, ce n'est pas ça. Lui, il parle d'autres choses. Mais comme il utilise ce qu'on appelle manipulation optique dans la sorcellerie. Manipulation optique, c'est ça, quand il y a mis sous. Il y a un homme qui a dit, mais il y a un boulot. Il y a un homme qui a dit, il y a un homme qui a dit, il y a un homme qui a dit, alobi ke kolakisa bango te misu na bango ekofungwama bakosenga bolimbisi na kolimbisa bango tika bango baza na vegema mpona frape bango. Halleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Nous allons prier contre les serpents. Notre combat eza combat ya motu te eza combat ya serpent. Nous les serpents tozomona eza diable ye moko. C'est lui là que nous sommes en train de combattre. Nous allons élever notre voix maintenant. Mes frères et sœurs, brothers and sisters, we have 25 minutes of a war that you never prayed like this before. You're gonna say, Lord, every snake in my way. We don't fighting people. We don't have a problem with people, but with snake, the spirit of snake. If someone is snake, that means he's in trouble with God, with us. So the Lord says he's gonna bruise the head of the snake. Let us pray right now. We pray. Brother, sister, you're going to pray in your family, in your ways, or in your business, in your career. Oh, kobondela, banda kobondela. Longwana pongi mama. Okolala kombe de fois, lamuka. How many times you going to sleep? Wake up. Wake up and pray. Wake up and pray. Wake up and pray. You're gonna pray today. Mama, papa, bondela. Détruis mon livre, snake, ya poison. Combattre en haut. Tindela et moto, nandaku na yo, na vie na yo, na église na yo, na famille na yo. Noban zambe, moto na yo, tumba, ba serpent, nyonso, ba serpent. Les serpents fuyants. Ils ont fui les camps de cimetière. Ils sont venus dans nos églises, dans nos familles. Tindela bango moto na nzambe, moto, send the fire. Brother, sister, you don't want to joke with snake. Send the fire against it. Send the fire against the snake. Say, Lord, I send the fire against them. Father, send the fire, Lord. Break the snake. Break every spirit of 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 serpent. In the name of Jesus Christ. Break the spirit of serpent. Call upon the fire against it. Call upon the fire against it. Belela moto. Tumbaye. Détruis mes salanaye. Détruis mes salanaye à serpent. Brisez mes salanaye. Et si kaza moto et kangaye kunan zambe. Ô Dieu des miracles, je viens déclarer le feu. Je viens déclarer le feu. Je viens déclarer le feu. Que le feu de Dieu brille. Que le feu de Dieu brille. Monte tumba. Fire, let the fire burn. Burn every snake. Every snake in your way. Every snake in your family.
Let them be burned. Let them be burned. Let them be burned. In the name of Jesus Christ. Oso déclarer fire. Déclarer le feu. Allumer le feu. Détruire le fondement satanique dans ta maison. Destroy every satanic foundation in your ways, in your family. Oh, priez, maman. Le serpent était ruseux. Il a trompé à Eve. Libérez le feu. Fire on fire. Call upon the fire. Call upon the fire. In the name of Jesus. Ozo libéré moto. Maman, tumba bango na moto. Moto na nzambe, le feu. Oh, allumer le feu, détruire le fondement satanique. La Bible nous dit, notre Dieu, c'est un Dieu de feu dévorant. Hébreux 12, 29. Notre Dieu, c'est un Dieu de feu dévorant. Notre Dieu, c'est un Dieu de feu dévorant. Azanzambe a moto, tumba misala na bango Seigneur. Ils se sont cachés depuis longtemps pour nous détruire. Ils se sont cachés depuis longtemps pour nous ruiner. Oh, l'Éternel grand Dieu. Ils ont ruiné nos familles. Ils ont ruiné nos vies. Ils ont ruiné nos familles. Oh, l'Éternel grand Dieu. Que le feu de Dieu, oh, détruit. Que le feu de Dieu brûle leur force, brûle leur puissance. Que le feu de Dieu monte en ensemble. Et tombe misala na bango. Fire en ensemble. Et tombe misala na bango. Oh, Zambé na bika. Zambé na puissance. Zambé na autorité. Moto na yo tumba. Faya na yo tumba. Faya na yo tumba. Par le nom de Jésus Christ. Moto na yo tumba, oh Seigneur. Par le nom de Jésus Christ. Faya na yo, que le feu. Let the fire burn. Burn every wickedness. Let the fire burn. Burn every wickedness. Let the fire burn. Burn every wickedness. Moto na yo papa. Et tomba ba serpent. Ba serpent fuya. Détruis, brûle le serpent. Brûle le serpent fuya dans ta famille. Tous les serpents dans ta maison. Qu'il soit brûlé, détruit. Il amène l'esprit des maladies. Détruis l'esprit des maladies de serpent. Oh, détruis, destroy every sickness of serpent. Détruis, break every sickness. Break, break today. Oh, ko détruit. Oh, ko belela. Monte en ensemble. C'est le feu de Dieu. Qui va répondre l'ennemi? Réponds-le par le feu. Answer them by fire. Answer them by fire. Answer them by fire. Call upon the fire. Answer them by fire. Call upon the fire. Answer them by fire. Let the work of darkness be exposed. Que les œuvres de l'ennemi soient exposées. Que les œuvres de l'ennemi soient exposées. Déclarer un jugement prophétique contre les serpents. Declare prophetic judgment against the snake. Oh, every snake must be burned today. In the name of Jesus. You're gonna burn every snake. You're gonna destroy every power of snake. Every snake must be burned. In the name of Jesus Christ. Brother, sister, call upon the fire. Fire on fire. Fire on fire. Fire on fire. Molimo malade. L'esprit de maladie. L'esprit de serpent. L'esprit de maladie. Je déclare le feu. Que le feu va brûler. Le feu qui va brûler. Les œuvres de l'ennemi soient exposées aujourd'hui. Que les œuvres de l'ennemi soient exposées dans ma famille. Déclarer que les œuvres, que tous les serpents soient exposés. Que tous les serpents soient exposés. Le serpent fuyant. Détruit ma racine et nabango. Détruit, destroy every seed of darkness. Every root of darkness, of a witchcraft in your way. Oh, you're gonna break it today. You're gonna break it today. You're gonna break it today.
You're gonna break it today in the mighty name of Jesus. You're gonna break it today. You're gonna break it today. Kora babo zete kere barabosa. Iska barahata barababo zekete kere bea. Rekota kabarabazata yata harabo. Rikete kete kere bea bazato. Karia bate kere bea kabarahazo. Zike bakara batara babosa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout le serpent fuyant, ce n'est dans ma famille, dans ma vie. Je viens le détruire par le nom de Jésus-Christ. Je viens confronter l'ennemi. Confrontation spirituelle. Je viens détruire, Seigneur, tout le serpent qui m'attaque. Je déclare la prière volcanique contre papa l'ennemi. Ô Seigneur des armées, que tout ennemi, every enemy, let him be burned. Burned by the fire. 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 The fire of the Lord, the fire of the Lord, the fire of the Lord. Kora baraba bo ziri barabo, riki bo karabaya baraba zataba, rika ta karabaya baba zataba, riki bo ziba karabaya baba, kibo buru bo zuturu baya baba, rika ta karabaya baraba zataba, ikuru bo ya baraba zataba, kuri baraba ya baba zataba. Kemura kabara baba zatara, ikerebe ya bara baba zatara, kora ya bara katuru bozi ya teba kebabu, rikata bara babosa, zambe moto, zambo atumbaka, ziki sa misala na bango sanya, ziki sa misala na bango ya serpent, zambe serpent fuyara zika, serpent fuyara pela moto, tumbaye na ligote l'homme fort ya serpent, tout homme fort. Father, I declare. Lord, I declare. Zambe na eko détruit. Marcher sur tous les problèmes sataniques dans ta vie. Marcher les colonnes en okobonda. Ozobera. Ozobera. Maman Ozobera. Ozo libérer moto. Nanda kunayo. Nali botanayo. Moto na Zambe. Ne répondre serpent. Okotika ete. Moto na Zambe répondre rien. Soko kota contact na serpent aye po détruire vina. Libérer le feu. L'esprit des maladies de serpent. Oh maman papa, je viens brûler. Oh, je viens détruire. Je viens détruire l'esprit de serpent, serpent fuyant, serpent tortueux, serpent fuyant, que les zèbres, toutes ces manses de l'ennemi soient brûlées, ces manses, toutes ces manses du serpent soient brûlées, toutes ces manses du serpent soient brûlées. Tout every seed of darkness be burned. Be burned today. Mama Bondela, Papa Bondela. Libérez moto, libérez moto, libérez moto. Ozo libérez moto, ozo libérez moto. Ozo libérez moto. Ozo libérez moto. Ozo libérez moto. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libérez le feu contre le serpent fouillard. C'est un serpent fouillard. C'est un serpent fouillard. Libérez le feu contre. Libérez moto contre le serpent fouillard. Maman, papa, vous allez libérer le feu. Vous allez libérer le feu contre tous les serpents. Libérez le feu au nom de Jésus-Christ. Libérez le feu. Détruis le serpent. Break every snake. Break every snake of darkness. Oh, détruis le serpent.
Détruis-les. Les serpents qui s'opposent à toi. Détruis les barrières du serpent. Paralysez toute force de manipulation de l'ennemi. Dans ta famille, détruis-les. Détruis la barrière en avant. You're gonna break the barrier of the enemy. You're gonna break every serpent. Crush the head of the serpent. Et écraser la tête du serpent. Briser sa tête. Détruis ses puissances. Détruis ses forces. Car ils n'ont pas de pouvoir. Car ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir. Le serpent n'a pas de pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir. Dans ta famille, tout le serpent va perdre mode. Monte ensemble sur le feu de Dieu. Paralysez les manipulations diaboliques. Paralysez les manipulations sorcelleriques de tout le serpent des ténèbres. Molez-moi serpent. L'esprit de serpent. Brûlez-le au nom de Jésus-Christ. Dans nos maisons, Seigneur. L'esprit de sorcellerie des serpents et dans la brûlée. Let it be burn low. Let it be burn low. Let it be burn low. Every spirit of snake. Every spirit of snake. Let it be burn. Let it be burn. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. L'esprit de serpent, l'esprit de la mort. Mon prématuré de serpent, il vient m'attaquer dans la nuit. Il vient m'attaquer pendant la journée. J'ai détruit ces liens. J'ai vaincu le serpent. Oh, les serpents n'ont pas de pouvoir dans ma vie. Oh, esprit de serpent, ils n'ont pas de pouvoir dans ma vie. Ils n'ont pas de pouvoir dans ma vie. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas de pouvoir. They have no power in my life. Every spirit of snake, they have no power in my life. Father, I break them today. Let the fire burn them. Oh, libérez moto, maman, moto, fire. Oh maman, papa, libérez le feu contre les serpents. Release the fire against the snake. Crush the head of the snake. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Libérez le feu contre tous les serpents dans ta famille, in your way. Release the fire. Release the fire. Au nom de Jésus-Christ. Libérez le feu de Dieu. Call upon the fire of the Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Release the fire of the Lord. Au nom de Jésus-Christ. Libérez le feu de Dieu. Fire of the Lord. Fire of the Lord. Call upon the fire. Call the fire of the Lord and burn every snake. Burn every snake today. You're gonna destroy every snake. Molimo nyonso ya nyoka ya maladi ya ba poison. Au nom de Yeshua Messie. Au nom de Jésus-Christ. Toute alliance de serpents. Toute alliance de serpents. Que le serpent fait alliance avec toi. Oh maman, papa. Yo zo bondela.
Ozo libere moto contre ba serpent nyoso. Oyo ba yana nzera na yo. Oyo kutana ba faux ba serpent. Il amène des maladies dans la vie des gens. Que le feu de Dieu le détruit. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Libérez moto. Libérez le feu. Fire of the Lord. Moto na nzambe. Fire. Fire, maman. Mes frères et sœurs, c'est le feu qui va répondre à l'ennemi. Rien d'autre que le feu. Rien d'autre que le feu. Rien d'autre que le feu. Rien d'autre que le feu, maman. Rien d'autre que le feu. Libérez le feu. Libérez le feu. Au nom de Jésus. Send the fire. Send the fire. Send the fire. Send the fire. In the name of Jesus. You're gonna send the fire. You're gonna send the fire. You're gonna send the fire, brother, sister. C'est le feu qui va répondre à l'ennemi. Rien d'autre que le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rien d'autre que le feu. C'est le feu de Dieu qui va le répondre. Répondre à mon mot. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je libère le feu. C'est le feu de Dieu qui va répondre. Moto na nzambe zo répondre. Répondez bangon na moto na fire au nom de Jésus-Christ. Libérez moto. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Brother, sister, Nzamba Pambolo Mingi. Que le Seigneur vous donne le dessus de vos cœurs. Ne faut pas avoir peur. Le serpent, il n'aime pas le feu. Vous augmentez le feu. S'il avait pris quelque chose de vous, libérez le feu, il va vomir tout ce qu'il avait pris de vous. Oyonyo sazoyayo, akosanza yango. Everything that the snake steal from you is gonna vomit him because it don't belong to him. Hallelujah. So you don't wanna give up for your health,
for your family, your children. You declare the fire of the Lord. You say, Lord, let the fire locate every snake in my family, in my way, in my church, in my workplace, in my friend, anyone who has snake that are coming to destroy me. Every day, call upon the fire to locate him, and the burn is the evil one. Hallelujah. Oh, mama, papa, ne faut pas avoir peur. Mon lit, moi, c'est le pain, mais ma malade. C'est un esprit de malade parce qu'il amène ce venin. Mais écoutez, cette nuit, il a perdu le combat parce que ce venin ne fera rien. Il va envoyer ce venin, mais le venin est aussi battu. S'il croit que tu vas mourir, c'est lui-même qui va mourir. Toi, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu rencontrerais les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Oh, brother, sister, you're not gonna die. You will live and you will proclaim what God has done for you. Because a snake, he has no authority, he has no mandate in your life. You carry the spirit of the Lord, the spirit of Jesus Christ. The snake, he has nothing to do with you because he's gonna fail as he's failing right now. The only thing you can do, release the fire. The snake, he can hide for a long, long time in a people's life. He can disguise himself like an angel of light, but he's a snake. The only thing will expose him is the fire. You call the fire. Before you meet him, declare the fire. Before you talk to him, declare the fire. He will hate you. He will start to gossip about you. He will kick you out in his house or his business. Let me tell you, you have no business with him. The only thing you can do, declare the fire against him. He's gonna collapse. Hallelujah. Oh, c'est ce que vous devez faire. Si vous libérez le feu, il va tomber. Si vous ne libérez pas, le serpent va dominer sur vous. C'est comme ça qu'il travaille. Il n'y a pas de quoi que ce soit. Il n'y a que le feu. It's only fire that I understand. God bless you so much. We are in the hand of our prayer. We're gonna pray to thank the Lord for the victory over snake. So, let me tell you, snake has been planned to do blood sacrifice, but he failed. Because when the snake fell, it will cause tension among people, panic, trouble. But the snake has an authority. He loses as he's losing right now. The Lord, they say, he struck the snake. And because he loses, he can't eat. He has nothing to do. As he's losing now, your family, they are covered by the blood of Jesus Christ. Your family, they are covered by the Holy Ghost. Though the snake, il lose. God bless you. L'ennemi a perdu. A perdu parce que snake a vivé dans la comète américa. A détruit Zara. Sora koti nanda kaba soso ameli ameli ba maki a détruit ne musala snake. Et logo yoko sala pour quoi il saute libérer kan moto. So ki moto eleki nyoka kobima abomba naka. À cause d'un ndako, non, à cause d'une église, non, à cause d'un n'importe qui, à cause d'un président, à cause d'un premier ministre, à cause d'un diacre, ancien, pasteur, bishop, évangéliste, qui que soit, à cause d'un snake. Mais pour découvrir, il y a moto, à go yinayo, soko kotina moto, zagana moninga za snake, à obanga yo, bokoma na ba conflit, avant de tonga tonga yo, ba problème, ti bo soani technique na bango zwa, soit à koi, soit à dévoiler secret na yakimi. Il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. Je vous dis la vérité. Nous allons prier. L'Éternel grand Dieu, je rends ton nom grand. Je bénis ton nom, Père. Seigneur, si nous parlons avec audace, c'est à cause des lèvres que tu as fait sur la croix de Golgotha. L'Éternel grand Dieu, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Parce que nous sommes entourés par des serpents. Mais Père, tu nous as dit dans Genèse 3:15 que je mettrai l'humanité entre toi et la femme, sa postérité et ta postérité. Il te blessera les talons, mais tu l'écraseras la tête. Oh, l'Éternel grand Dieu, je te dis merci de ce que tu nous as donné la force d'écraser la tête du serpent. Oh Père, qui peut nous donner la force comme toi? Tu es le vainqueur de Golgotha, le puissant guerrier, le redoutable, le lion de tribu de Juda. C'est lui qui détruit, c'est lui qui élève, c'est lui qui restaure,
Ce n'est par ta menace, le ciel tremble. Par ta menace, les montagnes tremblent, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est envoie ta colère devant le serpent, afin qu'il soit écrasé. Que ta main transperce le serpent qui nous a envoûtés, qui nous a compliqués, qui a volé nos bénédictions, nos biens. Ô Dieu de miracles, tout le serpent, le volet de nos destinées, le volet de nos ministères, qu'il soit brûlé par les faits, exposé en public. Oh, l'Éternel grandit. Qu'il soit même en public, même un dimanche, même un samedi, même une journée, Seigneur, que toi-même tu as voulu, qu'il soit exposé. Père, je te dis merci de ce que tu as réveillé tes enfants, afin qu'ils puissent se réveiller dans le sommeil pour voir clair. Enfin, Seigneur, Papa, de contempler la gloire de Dieu. L'Éternel, désormais, je prie à ce que tu révèles ton peuple. Ouvre les yeux de tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, Père, tu as dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Que ton peuple soit révélé, afin qu'il puisse comprendre qu'il y a des serpents tout autour de nos familles, de nos coins, de nos lieux de travail, dans nos églises, dans nos familles, dans nos avenirs. Père, tous les serpents qui se cachent soient dévoilés et brûlés permanentement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel grand Dieu, cette nuit, je mets ceinture de feu tout autour de nous. Que tous les serpents qui peuvent venir pour nous attaquer à cause de cette prière, l'Éternel grand Dieu, que le paix du Saint-Esprit transperce la tête du serpent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel grand Dieu, en commençant par leur maison, leur plan, Père, qu'il soit détruit, brisé, écrasé permanentement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie à ce que toute prière que nous venons de prier aujourd'hui permet à ce qu'il puisse s'accomplir par le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ceux qui sont connectés sur Facebook, live, YouTube. Père, qu'ils soient bénis aujourd'hui comme jamais vu auparavant. Father, bless one another tonight. Every prayer we pray, it will come to pass. Lord, we're a light to you because you are the word of life. Father, cover us with your fire against the snake, against the serpent who coming in the night try to abuse on us. Every serpent, Lord, that will stand up and say to attack us because of this prayer, Lord, let your salt of the Holy Ghost pierce them and cut them apart. Destroy them. Let them be scattered by your fire in the name of Jesus Christ. Father, cover us with the wall of fire and protect your people, Lord. Expose every snake around us, around the church, around friend, around the workplace. Every snake that is hidden, let him be exposed and destroyed by the fire of the Holy Ghost. Lord, as we're going to go to sleep, I pray for the divine protection. Lord, cover us, O Lord, by your fire. Protect us. If you will come back tonight, Father, I pray, remember us in your book of remembrance. Because we don't want to left behind. There is a lot of serpent, Lord. We don't want to stay behind. We want to go with you to sing Hosanna, Hosanna to the Lamb. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. God bless you so much, brother, sister, for today. Nzambe apambola, moko na moko. Merci. Merci, mon frère. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Zamba Pambora Moko na Moko. Merci, maman Tabitha. Merci, maman Gilly. Maman Monique. Zamba Pambora yo. Maman Gisèle. God bless you so much. Zamba Pambola Mama Yvonne. Maman Marie de Gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Rachel, God bless you. Maman Alice, God bless you. Maman Naomi, God bless you so much. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Nzamba Pambola Binomi. Que le Seigneur vous bénisse. Boutou Malam. Nzamba Pambola Masse Stella Nyako. God bless you.
Serigini, God bless you so much. Blessing, God bless you. Mama Fifi, Zamba Pamborayo. God bless you so much. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you so much. And a good night. Merci, Nzamba Pambola Bino, Boutou Malam. Merci.